Je prie que les chaînes de l'islam soient brisées à ses chevilles. Que les chaînes de l'islam soient brisées à ses poignets. Que les chaînes de l'islam soient brisées à son cou. Que les chaînes de l'islam soient brisées à sa hanche. Que les chaînes de l'islam soient brisées à son coude. Que les chaînes de l'islam soient brisées. Que l'esprit d'Allah sorte d'elle. Plus jamais qu'elle ne se prosterne pour adorer Allah. Plus jamais qu'elle ne se prosterne pour adorer Allah. Maintenant qu'elle se prosterne pour adorer le Dieu vivant, le roi de gloire. Celui-là qui, en Exode 3, au verset 14, s'est révélé au patriarche Moïse en lui disant, « Dis-leur que je suis m'a envoyé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, m'a envoyé vers vous. Que ce Dieu-là, maintenant même, vienne habiter corporellement sa servante Aminatou. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Esprit d'Allah sorte de toi. Nom de Jésus, tel qu'il est venu, qu'il sorte de toi. Nous retirons le sceau 666 qui était sur ton front. Nous retirons la marque du diable qui était sur ton front. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie n'appartient plus à Allah. Non, ta vie, Aminatou, n'appartient plus à Allah. Ta vie, donne-moi de l'huile, donc tu as envie de faire des toilettes. Ta vie n'appartient plus à Allah. Non, à partir d'aujourd'hui, en ce jour béni, nous dédions la vie d'Aminatou au Seigneur Jésus. Nous te dédions ta vie. Nous dédions ta vie au roi de gloire. Nous dédions ta vie au Seigneur Jésus. Nous dédions ton âme, ton cœur et ton esprit au Seigneur Jésus. Toi, Allah, sans elle, je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Parce que je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Toi, Allah, disparaît. Et qu'on ne te voie plus jamais dans la vie d'Aminatou. On va lui changer son nom. On va la baptiser du nom de Anne. Anne de Mortagne. Je retire la plaque 666 qui est sur ton front. Elle est morte. Je retire la plaque 666 qui est sur ton front au nom de Jésus. Je retire cette marque de la bête qui faisait que ton corps, ton âme était dédiée à Allah. Je retire cette plaque d'accusation là sur ton front. Je retire cette plaque d'accusation au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'huile d'onction, ton âme, ton corps et ton esprit sont dédiés au Seigneur Jésus. Nous dédions, voilà, retire un peu le voile là. On va dédier, on va la consacrer à l'Éternel sur la base de 1 Samuel 1 au verset 26 à 28. À partir d'aujourd'hui, Anne, nous changeons ton nom et nous dédions ton corps, ton âme et ton esprit au roi de gloire, au Seigneur Jésus, à l'alpha et à l'oméga. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, sur ton front est marqué le symbole Jésus. Nous déclarons le nom de Jésus est marqué sur ton front le symbole Jésus. Le symbole Jésus. Ta vie est dédiée. J'ai besoin de soutien ici. Nous dédions ton corps. Mets ça sur la table, s'il vous plaît. Toi, l'Esprit d'Allah, sache qu'à partir d'aujourd'hui, un acte. Donnez-moi un acte. Un acte. On va rompre l'alliance islamique qui existait entre elle et Allah. Toi, reste concentré. Toi, reste concentré sur ton travail. Non, ma soeur. Voilà. À partir d'aujourd'hui, Allah, voici l'alliance satanique qui existait entre toi et elle. Nous déchirons cette alliance. Nous rompons cette alliance. Nous brisons cette alliance. Elle n'est plus à toi, Allah. Allah, à partir d'aujourd'hui, elle sort de ta prison. Elle sort de ta prison. Son âme sort de ta prison. Son âme sort de ta prison. Nous déchirons l'alliance islamique qui existait entre elle et toi. Elle sort de ta prison. 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 Son âme sort de ta prison. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Son âme sort de ta prison. Son âme sort de ta prison. Son âme sort de ta prison. Elle sort d'elle. Libère son âme. Sort d'elle. Sort d'elle. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Libère son âme au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les chaînes. L'Esprit d'Allah, je t'ordonne au nom de Jésus. Nous libérons son âme au nom de Jésus. Restitue l'âme de Anne. Au nom de Jésus. Restitue son âme. Allez. Restitue son âme. Allez. Nom de Jésus. C'est un ordre. Restitue son âme. Ses étoiles. Ses talents, ses dons, tous ces biens que tu as foulés. Au nom de Jésus. Elle n'est plus sous ta possession. Au nom de Jésus. Elle n'est plus ta part. Au nom de Jésus. Restitue-lui son âme. Au nom de Jésus. Allez, allez, c'est un ordre. Voilà. Allez, 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 allez. Fais sortir son âme. Au nom de Jésus. Rends-la au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Rends son âme au Seigneur Jésus. Rends son âme. Toi, l'Esprit d'Allah. Rends son âme.
Je t'entends au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Jésus. Rends son âme au Seigneur Jésus. Sur tes pieds. Ses épaules. Ses dons. Sa vie de prière. Ton corps. Son don de prophétie. Jésus-Christ. Son don de vision. Tu reçois le feu. Au nom de Jésus. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu brises tes chaînes. Allez, enlève ça. Allez. Enlève-les au nom de Jésus. Allez, allez, allez. Allez, retire-moi toutes tes malédictions. Retire ses chaînes. Déterre son âme de la Mecque. Et rends-la lui au nom de Jésus. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Salite. Regarde. Au nom de Jésus. Do it now. Au nom de Jésus. Maintenant. Dépêche-toi. Allez, c'est un ordre. Dépêche-toi. Allez, allez, allez. Allez. Dépêche-toi. Allez. Dépêche-toi. Arrache. Arrache. Arrache tout. Arrache tout. Arrache tout. Tout ce que tu as mis en elle. Allez, prends. 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 Brise les chaînes. Allez. Allez, allez. Enlève les chaînes. Enlève les chaînes. Des morts. Enlève les chaînes. Enlève les chaînes des morts au nom de Jésus. Allez, brise-moi toutes ces chaînes dédiées à Allah. Brise, 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 brise. Quand tu auras fini de briser ces chaînes, au nom de Jésus-Christ, tu me retires son âme de la Mecque. Au nom de Jésus. Tu me retires son âme de Médine. Tu me retires son âme de la prison de la Mecque. Et tu la rends au Seigneur Jésus qui la lui restituera. Dépêche-toi. Brise-moi toutes ces chaînes à son cou, à son cou, à sa hanche, à son genou, à ses biceps, à sa poitrine. Brise-moi ces chaînes-là. Elle n'est ni ta proie, ni ta victime. Allez. Tu m'entends, Allah? Elle n'est ni ta proie, ni ta victime. Retire tous tes malheurs dans le nom de Yahushua Mashiach. Retire par le feu. Elle n'est pas à toi. Il est dit, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu rends l'âme de Anne. Car elle est à Dieu. Elle n'est pas à toi. Allez. Voilà. Elle est assise. Allez. T'as vu ça, non? Ça te rappelle la délivrance de Raïssa. Au nom de Jésus. La même chose. Au nom de Jésus. Regarde la prostituée. Prends la prostituée. Prends la posture, voilà. Au nom de Jésus. Voilà, la posture des musulmans, là. Prends-la. Voilà. Écoute, tu la n'as façon aucun dont ils adorent leur Dieu. Tu n'as aucun pouvoir. Tu es là maintenant dans le feu. Voilà le feu ce qu'il du Saint-Esprit. Il est dit, si elle te devait quelque chose, nom de Jésus. Mets-le sur le compte de Jésus. Nom de Jésus. Si elle te devait quelque chose, mets-le sur le compte de Jésus. Nom de Jésus. Si tu as la latitude d'encaisser Jésus, de Jésus, tu pourras encaisser Anne. Nom mais de comme Jésus. Je sais nom de que Jésus. Le Seigneur ne te doit rien, nom car il pouvait dire dans sa parole, je ne parlerai plus guère. Le prince de ce monde arrive, mais n'a rien de moi en lui. Nom de Jésus. Retire tout ce qui est de toi. Nom de tes malheurs, tes maladies, tes blocages, tes limitations, tes douleurs, tes voiles, tes chaînes, tes vêtements mortuaires, tes vêtements islamiques. Je le retire d'elle. Nom de Jésus. Retire-les d'elle. Retire tout. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et tu mets les chaînes dans les profondeurs des abysses. Nom de Jésus. Dépêche-toi. Allez, retire. Dépêche-toi au nom de Jésus. Retire ta malédiction. Retire. Tu m'enlèves cette posture islamique là. Détache ses jambes. Au nom de Jésus. Détache ses jambes. Au nom de Jésus. Plus jamais qu'elle ne s'assoie comme ça pour adorer le faux Dieu que tu es. Au nom de Jésus. Usurpateur. Menteur. Trompeur. Feu sur tes pieds. Malicieux, rusé. Toutes ces chaînes tombent au nom de Jésus. Ton temps est déjà fini. Tu sais que ton temps est déjà fini. Au nom de Jésus. Très bientôt, Élohim vient prendre son église. Au nom de Jésus. Et juste après, tu seras jeté dans le lac ardent et le souffle qui est l'enfer. Au nom de Jésus. Et si tu vas regretter ta rébellion. Tu vas regretter, toute ta rébellion. Je t'ai dit de retirer toutes tes malédictions. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de tes pieds. Allez. Tu m'enlèves aussi les douleurs, les maladies. Tu déchires ton voile. Nom de Jésus. Enlève tout et jette-les dans les profondeurs des abîmes au nom de Jésus. Nom de Jésus. Dépêche-toi au nom de Jésus. D'accord. Oh non, on a décrit ici. D'accord. Ces alliances, je déclare au nom de Jésus. Que tout ce qu'il a lié à ses pères, nom de Jésus. Ceux qui sont en Mauritanie, nom de Jésus. Tout ce qu'il a lié à ses mères, nom de Jésus. Celles qui sont en Côte d'Ivoire, nom de Jésus. Je déchire ces alliances, nom de Jésus. Je déchire ces contrats, nom de Jésus. Je déchire ces clauses, nom de Jésus. Je déchire ces contrats, nom de Jésus. Je déchire ces conventions, nom de Jésus. Toute alliance qu'il a liée à ses pères, à ses mères, aux esprits de ses pères, aux démons de réclamation, je les déchire. La voix de l'Éternel les déchire. La voix de l'Éternel les déchire. Nom de Jésus. Et je commande maintenant. Que tes mains restituent tout ce que tu as pris par la violence dans la vie d'Anne. Tu vas commencer par lui rendre son âme. Nom de Jésus. Va à Médine. Là. Nom de Jésus. Sous la Kaaba. Nom de Jésus. Déterre son âme. Nom de Jésus. Cette prison dans laquelle il y a 1 milliard de musulmans. Nom de Jésus. Tu vas dans cette prison-là. Nom de Jésus. Et tu vas me faire sortir Anne. Jésus. Et tu la rends. Tu rends son âme au Seigneur Jésus. Nom de Jésus. Tu vas la lui rendre. Dépêche-toi. Allez. Tu as 3 secondes. Allez. 1. Projette-toi à Médine. Allez. 2. Dépêche-toi. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Au nom de Jésus. 3. Maintenant. Va me chercher son âme à Médine. Maintenant. Alia, dépêche-toi. Maintenant. Va me chercher son âme à Médine. Va me chercher son âme à Médine. Dépêche-toi. Et rends-la lui. Dépêche-toi. Va sous la Mecque. Là-bas où tu règnes. Enlève ses alliances. Mm-hmm.
Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi au nom de Jésus. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Au nom de Jésus-Christ. Son côté maternel, là aussi, son musulman. Son papa était un grand. Marabout, imam. Imam et marabout. Ça m'a toujours fait rire. Ils sont imams, ils sont marabout. Le même Coran les condamne d'associer Dieu à d'autres choses. Ils sont dans la confusion. Dépêche-toi. Acte de lien de nom. Dépêche-toi. Je t'ai dit, tu te projettes à Médine. Tu fais quoi ici? Tu te fais quoi ici? Quelle est l'alliance qui existe entre elle et toi? Je t'ordonne au nom de Jésus, tu te projettes à Médine. Tu vas me chercher son âme. Tu vas déterrer son âme. Tu vas ouvrir la prison dans laquelle son âme est. Nom de Jésus. Tu vas toi-même dire à son âme de sortir. Nom de Jésus. Je lui donne la liberté. Nom de Jésus. Car en Jean 8, 36, il est dit, si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. Libère son âme. Nom de Jésus. Je te saisis par la gorge. Nom de Jésus. Et nous nous projetons maintenant à Dieu. Nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de repos pour les démons ici. On n'est pas à la plage. Faites-la, faites-la soir sur le démon de Allah. Là. Nom de Jésus. Bien-aimé musulman. Il n'y a pas de repos pour les démons. Bien-aimé musulman, tu vois. Nom de Jésus. Tu vois, comprends par là que Allah n'est pas Dieu. Et que Allah ne veut pas le salut de ton âme. Alléluia. Allah veut te tromper. Amen. Il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Cet ange qui s'est révélé à Mahomet, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'ange Gabriel. C'est un agent de Satan. Nom de Jésus. C'est un démon, un ange déchu qui s'est révélé à lui. Et qui vous fait croire que le Coran est tombé du ciel. Mais naturellement, rien ne peut tomber du ciel comme livre. Sinon, on dirait que la Bible est tombée du ciel. Mais le Saint-Esprit a inspiré ses prophètes et ses apôtres. Voilà l'Esprit de Allah. Tout tremblant devant le Seigneur Jésus. Maintenant qu'on est à la Médine, rentre sous la Kaaba. Tu rentres, tu vas ouvrir la prison dans laquelle tu vas. Allez, maintenant au nom de Jésus. Va récupérer son âme. Je te prends au nom de Jésus. Récupère son âme. Voilà. Récupère son âme. Nous nous projetons sous la Kaaba. Son âme. Ouvre ce cachot. Au nom de Jésus. Fais ton compte, tape ton compte. Ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tape ton compte. Au nom de Jésus. Je t'en donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi et Allah. Au nom de Jésus. Allah. Tape ton code. Nom de Jésus. Ouvre la porte de cette prison dans laquelle il y a plus de 1 milliard de musulmans. Nom de Jésus. Va me chercher à Alimatou. C'est Alimatou. Aminatou. Aminatou. Et rends-lui son âme. Dépêche-toi. Fais vite. Au nom de Jésus. Dépêche-toi. Allez. Allez. Dépêche-toi. Allez. Dépêche-toi. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Dépêche-toi. Au nom de Jésus. Tape ton code. Tape le code de cette prison où il y a plus de 1 milliard de musulmans. Tape le code. Tape le code. Tu connais le code, Allah. Tape ce code-là. Tape-le. Tape-le au nom de Jésus. Fais dans tes mains. Nom de Jésus. Aria, paria, paria, paria. Do it now, in the name of Jesus. Do it now, in the name of Jesus. Nom de Jésus. Now. Nom de Jésus. David, tape le compte. Tu connais le compte. Nom de Jésus. Voilà. Allez, maintenant ouvre la porte. Ouvre cette grande porte-là. Où il y a plus d'un milliard de musulmans qui attendent leur mort pour se retrouver en enfer. Va me chercher Aminatou. Va me chercher l'âme d'Aminatou. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Récupère son âme et rends-la lui au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Malheur à toi si tu lui donnes autre chose que ce qui lui appartient. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ça là, sous sa fontanelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais vite. Au nom de Jésus. Nous scellons son âme dans le sang de Jésus. Allez maintenant. Hé, on n'a pas fini avec toi. On n'a pas. Oh, tu ne vas pas disparaître aussi facilement. Tu vas me chercher. Son nom, elle est prophétesse de l'Éternel. Sa vie de prière, son don de prophétie, sa vie d'évangélisation. Parce qu'elle est tenue d'aller dans les rues, dans les feux tricolores pour annoncer Jésus. Dieu lui donne son don de guérison, son don de prodige. Dieu lui donne son mariage, son mari, sa fécondité. Dieu lui donne sa santé, sa longévité, sa paix, sa joie, sa quiétude, son zèle pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Sa vie de consécration. Va aller les chercher. Va. Allez, dépêche-toi. Va devant ton hôtel. Va devant ton hôtel. Récupère tous ces biens. Fouille dans tes tiroirs, dans tes coffres. Allez, ouvre-les. Tape le code de tes côtes, de tes coffres forts. Ouvre-les, rends-lui toutes ses étoiles, ses dons, ses talents, sa fortune, sa vie de prière, ses dons de prophétie. Les prophétesses de l'Éternel. Mais ça ne va pas travailler avec la montagne. Dépêche-toi. Hurry up! Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Par le nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Alors toi qui as la grande gueule en enfer, aujourd'hui tu es devenu mieux devant le Saint-Esprit. Parle, ça c'est quel quoi? Ça c'est quoi? Je délie ta langue. Non, et je Jésus. Te commande de me dire exactement c'est quoi ça non, que tu tiens dans ta main. Non, qu'est-ce que c'est? Non, Jésus. Parle au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces dons. Lesquels des dons? Elle en a plusieurs. Elle en a plusieurs. C'est quoi ces dons-là? Tu la lui rends. Et quoi d'autre? Fais vite!
aïe. On n'a pas le temps. Au nom de Jésus-Christ. Consécration. Et quoi d'autre? Rends-la lui, dépêche-toi. Au nom de Jésus. Je le scelle dans le sang de Jésus. Jésus-Christ. Maintenant, son mariage, sa paix, son mari, sa fécondité, ses enfants, son intelligence. Je le rends plus tous ses biens. Tous ses biens. Salut au nom de Jésus. Elle n'a plus envie d'aller à l'école. Mais c'est Allah qui est à la base de cela. Il aime bien frapper les musulmans d'illettrisme. Voilà. Tu vois, dans les pays, il y a plein qui sont illettrés comme ça, tu ne comprends pas. Attends, c'est des personnes qui sont. Dieu leur a donné beaucoup d'intelligence. Dans le Maroc, plein de musulmans sont des illettrés. J'ai dit, mais quel est ce pays où il y a plein d'illettrés comme ça? Ils n'étaient pas en arabe. Ça, c'est quoi? Tu lui rends ça et tu lui rends aussi le goût des études. Le livre du Seigneur Jésus a dit dans le livre de Proverbes 6, versets 6 à 7 à 8. Il a dit, inspire-toi de la fourmi. Elle travaille en été. Elle n'a ni maître. Mais elle travaille. Elle se repose en hiver. Allez, rends-lui tous ses biens. Rends-lui tous ses biens. Nous, les chrétiens, on n'est pas des paresseux. Elle ne va pas arrêter ses études en plein cursus. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Va me prendre son intelligence et ses études. Elle est remplie d'intelligence. Hein? Il faut que les enfants de Dieu aillent dans les milieux où le Satan règne pour faire sortir les enfants de Dieu qui sont dans ces milieux-là. À l'ONU, par exemple, il y a plein d'enfants de Dieu qui sont là-bas qui ne savaient pas qu'ils travaillent pour Satan. À l'OMS, hein, aux Nations Unies, dans plein de structures internationales, il y a plein d'enfants de Dieu. Mais ils ne savent pas que c'est l'entreprise dans laquelle ils sont. À la fin, c'est l'enfer. Je scelle cela dans le sang de Jésus. On n'a pas fini. Il y a encore plein de choses que tu lui as volées. Toutes ces étoiles. Récupère-moi toutes ces étoiles que tu avais volées au nom de Yahushua Mashiach. Ariap, 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 ariap. Do it now. Fais vite. Comment, comment? Rends-les-lui. Je les scelle dans le sang de Jésus. Ces étoiles, on n'a pas fini. C'est pas toutes ces étoiles. Menteur. Rends-les toutes ces étoiles. Le culte à Allah, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Rends-les-lui au nom de Jésus. Rends-les-lui au nom de Jésus. Oh, si les musulmans savaient. Je les sème dans le sang de Jésus. Si les musulmans savaient que Jésus les aimait et que Allah ne les aime pas. Et que Allah ne les a jamais aimés. Et que c'est un démon. C'est un des lieutenants de Satan. Comme Bouddha, comme Shiva. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, son don d'évangélisation. Qu'est-ce que tu as fait à ses pieds? Qu'est-ce que tu as fait à ses pieds? Qu'est-ce que tu as fait à ses pieds? Enlève ce que tu as fait à ses pieds et rends-lui ses pieds, ses vrais pieds. C'est à cause de vous que beaucoup d'enfants de Dieu sont oisifs et ont honte d'annoncer Jésus. On ne veut pas aller annoncer Jésus, mais quand il s'agit de péché, je le vois aller dans tous les sens. Retire tes malédictions. Retire-moi les chaînes. Brise les chaînes. Retire-moi ce que tu as mis à ses pieds. Il y a des perles même à chaussures là. Enlevez-moi les chaussures là pour commencer. Même. Attends, t'es là. Allez, enlève-moi les malédictions que tu as mis à ses pieds. Dépêche-toi. Retire toutes les malédictions que tu as mis à ses pieds. Au nom de Jésus. Et rends-lui ses chaussures. Il est dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Retire ça. Jette-les dans les profondeurs des abysses. Au nom de Jésus. Maintenant, tu lui rends ses chaussures. Les chaussures de l'évangile. Ce que tu avais volé. Prends-les et rends-les-lui au nom de Jésus. Il n'a pas rendu son nom les prophéties. Hein. Rends-lui sa véritable paix, les chaussures, ses bottes que Dieu lui a donné pour arpenter les rues, les villes, les hameaux, les campagnes, les nations, les continents, afin de faire son œuvre. Maintenant, tu lui rends son nom de prophétie, son nom de songe, de vision. Fais vite. Au nom de Jésus. Garde à toi si tu tentes de cacher quelque chose. Là, c'est quoi? Mais dans les prophéties, là, tu n'as pas tapé le code là pour entrer dans ton coffre fort pour prendre. C'est quoi ça? Chiffre, Saint-Esprit. Chiffre, 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 Saint-Esprit. Chiffre. Que la droite de l'éternel te brise la mâchoire. Au nom de Jésus. Tu te crois où? Voilà son nom de prophétie. Rends-la lui. Hé, le don de prophétie, là, c'est sur la tête, on prophétise.
Je scelle cela dans le sang de Jésus. Allez, maintenant, disparaît comme ton ordure. Je ne veux plus jamais te voir dans la vie d'Anne. Et elle ne s'appelle plus Aminatou. Nous la baptisons du nom de Anne. Nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien aimé, voici l'esprit d'Allah. Voilà, voilà l'esprit d'Allah. Vous avez vu. Jeune musulman mortanien de Sucroix, qui vient d'arriver depuis le 26 du mois dernier de la Mortanie. Et le Seigneur a bien voulu que ce matin vienne nous rencontrer. Elle est en train de donner son témoignage. Elle nous a dit, elle a demandé au Seigneur Jésus, si tu es vraiment Dieu, je veux te rencontrer. Et sur sa natte, le Seigneur Jésus l'a visité. Il lui a montré beaucoup de choses. Et quoi qu'elle va à la mosquée en Mortanie, puisqu'elle est chez ses parents, paternels, sur sa natte, c'est Jésus qu'elle prie. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a dit, il y a plusieurs de ses enfants qui sont dans l'islam. Mais sur le natte, ce n'est pas Allah qui prie, c'est Jésus. Qui le font discrètement. Parce que nous savons que malheureusement, cette communauté-là, certains d'entre eux sont très vindicatifs, sont très violents. Et de peur pour leur vie, ils sont sur le lac, mais ils prient Jésus. Et là, on va procéder à son baptême du Saint-Esprit. Tiens, approche ta fille. Merci. Tu vas fortifier. Tout à l'heure, on va t'expliquer ce qui s'est passé. Tu as vu un peu? Tu as vu des images? D'accord. Nettoie un peu. Je vais te nettoyer. Sois fortifié. Prends les mains simplement, ferme les yeux. Que le Seigneur te fortifie. Allez, non, Seigneur, recevoir. Seigneur, tu nous as inspiré de la baptiser du nom de Anne. Seigneur, tu te la juges digne de recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Seigneur, je te la présente devant ton autel. Seigneur, marque-la de ton sceau. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de la marquer de ton sceau sur la base de Actes 1, verset 5 et verset 8 qui dit « Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours seulement, vous serez baptisé du Saint-Esprit. » Le verset 8, tu pouvais dire « Et un esprit, l'Esprit Saint survenant sur vous, une puissance descendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Galilée, en Nazareth, dans les extrêmes confins de la terre, en Côte d'Ivoire, en Mortanie, aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans le Pacifique, en Océanie. Seigneur, maintenant, fais d'elle ton témoin. Seigneur, fais d'elle ton disciple. Saint-Esprit de Dieu, fais d'elle ton disciple en la marquant de ton sceau. Reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Je déclare que maintenant tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Sois ivre du Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le baptême de feu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le. Reçois-le. Reçois le feu. Seigneur, tu l'as rempli de ta présence. 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 Tu l'as rempli. 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 Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Elohim, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Pardon. Je vais expliquer là encore. Sors d'elle, je ne veux même pas savoir qui tu es. Je n'ai que faire de ton nom et de ce que tu as fait dans sa vie. Je te donne le nom de Jésus. Sache que la terre sur laquelle tu es couché est consacrée. Toute l'église a été consacrée à l'Éternel. Et ici, il n'y a que du feu. Et je déclare que l'homme de coucher s'est rempli de presse de feu. Ce feu-là te consume. Maintenant, et je saisis mon doigt. Et je fends la terre en deux. Au nom de l'autorité que Yéhoshua, ma chère, m'a donnée. Je fends la terre en deux. Comme il est dit dans sa parole, qu'il donne l'Éthiopien, l'Éthiopie pour Judas. Maintenant, je te saisis, toi, démon, vous, démons qui êtes dans la vie de Anne, et je vous projette dans cette terre fondue. Et comme le Seigneur a fait avaler Dathan, Coré, à Biram pour leur rébellion contre Moïse, je déclare que pour votre rébellion contre l'Éternel des armées, la terre vous avale. Elle vous avale, vous et vos femmes, vous et vos serviteurs, vous et vos animaux. La terre vous avale, elle vous avale, elle vous avale, elle vous avale, elle vous avale, vous avale, vous avale, et vous disparaissez. Au nom de Jésus. Et j'ordonne maintenant que la terre se ferme sur vous. Lorsque vous vous réveillez, vous vous retrouvez dans les abysses devant votre maître Lucifer. Disparaissez. Qui es-tu, toi? Encore une troisième entité. Qui es-tu, toi? Tu es Jézabel? C'est toi, Jézabel? C'est toi, Jézabel? Parle au nom de Jésus. Qui es-tu? C'est toi, Jézabel?
Tu me réponds par oui ou par non. Les Écritures disent que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui en y ajoute vient du malin. Est-ce que c'est toi, Jézabel? Oui ou non? Par le nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu dans la vie de Anne? Ah, c'est Jézabel. C'est Jézabel. Jézabel, comment tu as eu accès à la vie de Anne? Jézabel, je délite ta langue et ta bouche. Et je te donne le nom de Yehoshua Mashiach. Comment tu as eu accès à la vie de Anne? Par le nom de Jésus. Comment tu as eu accès à la vie de Anne? Tu as 3 secondes. Si tu ne parles pas, je vais saisir l'épée flamboyante et décapiter tous les enfants que tu as eu avec elle. Nom de Jésus. Je saisis l'épée flamboyante. Nom de Jésus. Comment tu as eu accès à sa vie? Nom de Jésus. Je saisis tous les enfants que tu as eu avec elle dans le monde de Jésus. D'ailleurs, commence par retirer tous tes instruments de Jézabel. Nom de Jésus. Enlève tous tes instruments de séduction d'elle. Dépêche-toi. Nom de Jésus. Fais vite. Nom de Jésus. De Jésus. Retire tes faux cheveux, tes boucles d'oreilles, tes chaînes, tes piercings. Nom de Jésus. Tes maquillages, tes tatouages, tes mascaras. Elle a fait un tatouage. Elle a failli faire un tatouage. Ah, Jésus. Elle échappait belle, hein. Fais vite. Il n'y a pas le tatouage. Elle n'en a pas. Checker pour voir. Il n'y a pas de tatouage. Elle avait l'intention d'aller le faire. Mais par contre, elle s'est vengée d'elle en lui donnant des trucs sur la peau. Tu vas me retirer toutes ces taches-là. C'est moi qu'elle a mis là. Elle a mis une marque. Tu l'as fait? Oui, je vois que tu as mis des taches noires sur elle. Tu vas me les retirer au nom de Jésus. Le seau. David, check le seau là. Tu vas me vomir tes semences. C'est un peu comme de la gale et trucs comme ça. Tu me vomis. Allez, retire cette peau que tu lui as donnée là. Oui, et pour te venger d'elle, tu as mis ça sur sa peau. Tu travailles avec Méduse dans son corps, c'est ça? Tu travailles avec Méduse? Pas le nom de Jésus, tu travailles avec Méduse. C'est Méduse qui fait ça sur la, dans le visage des femmes. Alléluia. Amen. Retire-moi tout ça, sur tout son corps. Retire tout ça. J'ai ton fils bien-aimé entre les mains. Je ne vais pas tarder à lui rompre le cou, à briser son cou et à te le donner à dévorer au nom de Jésus. On est en train de travailler, c'est qui veut la voir? Mais quelle patience, mon fils. Tu vois qu'on travaille, non? Est-ce qu'on est en train de faire du tourisme? Voilà, demande-lui d'attendre le secrétariat. Quand on le fait là, mettez-le au secrétariat David. Enlève tout. Enlève-moi cette malédiction que tu as mis sur sa peau. Enlève-moi ce masque que tu as mis sur son visage. Le masque de vieillesse que tu as mis sur son visage, de célibat, tu me le retires au nom de Jésus. Tu m'enlèves tel, tu l'enlèves les faux cheveux. Voilà, les boucles d'oreilles. Enlève tout. Retire-moi toutes ces choses dès le nom de Jésus. Retire tout dès le nom de Jésus. Oriente. Enlève tout. Je saisis l'épée flamboyante. Et cette queue que tu lui avais donnée, cette queue de séduction, je la brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ta queue. 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 Au nom de Jésus. Je la brise. Au nom de Jésus. Brise. Brise ta queue. Au nom de Jésus. Je la casse en deux. Au nom de Jésus Christ. Je la donne en pâture au chien au nom de Jésus. Que le chien dévore ta queue. Que le chien dévore ta queue. Que le chien dévore ta queue. Tout à l'heure, nous allons appliquer ce qu'il est dit dans le livre de 2 Rois 9, verset 30 à 39. Où des chiens t'ont dévoré. Allez, enlève toutes tes malédictions d'elle. Retire tes make-up, tes maquillages. Retire les yeux de séduction que tu lui as donnés. Et lorsque tu auras fini, ces serpents qui sont dans sa partie intime, enlève-les. Je saisis l'épée flamboyante et je coupe ces serpents. Je les taille en pièces. Je les décapite. Je les jette dans le feu au nom de Jésus. Enlève tout. Faux seins, fausses fesses, tout. Retire toutes ces choses derrière le nom de Jésus. Retire tout derrière le nom de Jésus. Fais vite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une très belle femme. Et c'est pourquoi tu avais voulu qu'elle soit ton agent, c'est ça? Un acte. Le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Voilà. L'acte qui disait qu'elle était ton agent. Voilà.
Le contrat que tu avais tissé avec elle, qui signifiait qu'elle devait être à ta solde, qu'elle devait travailler pour toi et coucher avec le maximum d'hommes afin de les détruire. Je déchire cette clause-là. Je déchire cette convention. Je déchire ce contrat par la droite de l'Éternel. Je brise cette alliance et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ton agent. Nous retirons la plaque qui disait qu'elle était ton agent. Et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie est dédiée à l'Éternel. Retire la voie de séduction que tu as Jésus. On n'a pas fini. Soulevez-la. On n'a pas fini. Elle va vomir la semence de la séduction qu'elle lui a donnée. Ouvre la bouche et vomis-la. Merci David. Ouvre la bouche et vomis la semence de la séduction que tu as mise en elle. Vomis-la. Allez. D'habitude, elle met des sachets jetables là, sur le truc. On n'a pas fait aujourd'hui. Amen. On peut avoir un sachet de jetable là pour ma poubelle là. Allez, tu vas. Allez, vomis, vomis. Allez, vomis. Merci. Allez, vomis la semence de la séduction que tu l'as donnée. Vomis-la. Non, Jésus. Laisse-moi t'attraper. Comme tu l'as attrapé. Okay. Allez, vomis, vomis allez, toute cette semence là. Allez, allez, vomis. Allez, vomis la semence. Vomis toute semence liée à la séduction, au mensonge, à l'impudicité. Allez, vomis-moi toute cette semence-là. Allez, vomis-la. Viens chercher les noms. Allez, vomis. Bois le sang de Jésus. Allez, vomis, 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 vomis. Bois le sang de Jésus. Voilà, ça sent. Allez. Vomis au nom de Jésus. Ça remonte, ça remonte. Allez, vomis-moi toute cette semence. Je te commande au nom de Jésus. Tu me vomis la semence de la séduction, du mensonge, de l'impudicité, de la tromperie, de la malice, des maquillages, de l'illusion, des malices, de la fraude. Allez, vomis-la. Allez, vomis-le. Allez, vomis-le au nom de Jésus. Le Seigneur a horreur de la fraude. C'est toute femme qui se maquille fraude. Toute femme qui se maquille ment. Toute femme qui se maquille prend plus, n'a plus l'image de Christ, mais à l'image des sirènes. Et elle, Anne n'est pas à l'image des sirènes. Elle a l'image de Jésus. C'est pourquoi je te donne au nom de Jésus. Soleil. Allez, vomis toute semence liée à la séduction, au mensonge, à l'impudicité. À la convoitise du cœur, à la convoitise du regard. Allez, vomis tout, on n'a pas fini. Ça remonte au nom de Jésus. Allez, vomis toute chose. Vomis toute chose. Vomis toute chose. Vomis toute chose. Vomis le mensonge, les make-up, le maquillage. Vomis l'illusion. Au nom de Jésus. Allez, vomis la séduction. Allez, vomis toutes ces choses qui ne sont pas du caractère de Dieu, qui ne sont pas des fruits de Dieu. Allez, vomis-les, vomis-les, vomis-les au nom de Jésus. Déraciné, déraciné, déraciné. Vomis-les au nom de Jésus. Depuis ton corps, allez, vomis. Aussi, vomis-moi toutes les maladies que tu l'as mis dans les entrailles. Allez, vomis tous les démons qui sont dans ces entrailles avec lesquels tu la faisais travailler. Vomis, allez. Tu sais pertinemment que 2 Corinthiens 6, verset 14 dit « Quel accord, mais quel accord, mais quel accord y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les démons ? Or, tu sais que Anne est le temple de Dieu. Et nous savons que là où règne Dieu, ne peut régner des démons. Nous savons qu'on ne peut boire à la coupe de Dieu et à la coupe des démons. Nous savons qu'on ne peut s'asseoir à la table de Dieu et à la table des démons. C'est pourquoi je t'en donne. Vomis toute semence qui n'est pas de Dieu. Vomis les caractères de la séduction, du mensonge, toute autre forme de caractère qui n'émane point de Yéhoshua Machia, mais qui émane de toi. Vomis-les. Au nom de Jésus. 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 Allez, tu vomis. Tu as échoué aujourd'hui. Tu as échoué. Toute ta semence remonte et ça sort au nom de Jésus. Tout arbre que le Père n'a pas planté en elle est déraciné. Nom de Jésus. Est déraciné maintenant. Est déraciné au nom de Jésus. Allez, tu vomis et tu libères maintenant. Tu vomis et tu sors. Allez, vomis. Allez, libère-la. Vomis. Vomis au nom de Jésus. Vois le sang de Jésus. Allez. Sur la base d'Apocalypse 12, au verset 11, qui dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant, toi, Jézabel, sors d'elle. Je ne veux plus jamais te voir dans cette vie. Sors d'elle. Je déclare au nom de Jésus. J'envoie les agents. J'envoie les agents des lits contre toi. Ceux-là même qui t'ont saisi et qui t'ont jeté par la fenêtre. Ils se saisissent de toi. Ils te jettent par la fenêtre. Et ton corps explose.
Et lorsqu'il chute à terre, je commande maintenant que des chiens viennent te dévorer. Que des chiens viennent te dévorer. Que des chiens viennent te dévorer. Maintenant même, ils te dévorent. Ils te déchirent le visage. Ils te déchirent la bouche. Ils te déchirent la poitrine. Ils te dévorent. Des charognards te dévorent. Tu cries, mais il n'y a personne pour te venir à l'aide. Ils te dévorent. Et pendant qu'ils te dévorent, tu sors d'elle. Tu prends tes malheurs, tes malédictions, tes chaînes, tes bracelets, tu sors d'elle. Disparais! Comme ton ordure, qu'on ne te voit plus jamais dans la vie de Dan. Sors d'elle! Sors d'elle! Rends-lui ce que tu as volé, tu sors d'elle. Disparais. Allez, disparais. Allez, disparais. Comme ton ombre, comme une vision nocturne, comme un songe, tu disparais. Tu disparais. Tu disparais. Comme une dynastie, tu disparais. Avec le temps, tu disparais. Et ce temps, c'est maintenant. Disparais. Disparaît. Non, vous l'absorbez. Maman Christiane, suivez maman Christiane. Sortez-le. Je te le dis là. Il est dit en Matthieu 18, verset 18, que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. D'ici là, tu lui rends la santé de ses jambes aussi. Et tu sors d'elle. Je le rends. Allez, allez, retire-les. Et sors d'elle. Retire-les. Retire-les. Au nom de Jésus. Allez. Obéis. Au nom de Yahushua Mashiach. Enlève tes envoûtements, tes sorts, tes sentinelles de ses jambes. Et par la suite, tu disparais d'elle. Au nom de Jésus. Allez, disparais. Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Pars. 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 Retourne dans les abysses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Allez, laissez tout ça dans la tombe. Je prends le shampoo ici, ça coule. Attends, 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 mets ça dedans. C'est où? Ça coule. C'est un peu. La goutte qu'on voit devant ce pied-là. Ça va être de la douleur. Là. Il y a un rendez-vous là, son. Pour pourtant mélanger. Profonde de l'ignorance. Vous avez plusieurs secrets. C'est le Seigneur qui me l'a fait expliquer. Il y a encore une entité démoniaque qui est là. Toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Comment tu as eu accès à sa vie? Toi aussi, tu dégages. Dépêche-toi au nom de Jésus. Allez, dégage, 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 dégage. Dégage. Sors-le. Un démon courant. Non, c'est une façon de parler. Il y a tellement de démons qu'on rencontre tous les jours. Sors de la vie de Anne. C'est fini. Dépêche-toi. C'est quoi? Il y a un contrat entre toi et elle. Il y a une clause entre toi et elle. Il y a une clause entre toi et elle. Qui es-tu? Elle ne peut pas servir Jésus. Bon, c'est l'esprit humain, parce que le moins, il peut dire Jésus. Tu es qui? Tu es un de ses parents, je crois, c'est ça? Tu es qui? Tu es sa tante? Tu es sa tante? Elle ne peut pas servir Jésus. Tu es qui? Tu es sa tante? Tu es son père? Tu es son père, c'est ça? Son père. Tu es le papa de Anne? Tu es le papa de Anne, c'est ça? C'est aussi tout ça que vous avez demandé à ce qu'elle vienne en montagne pour lui voler ses étoiles. C'est pourquoi elle n'a plus envie d'aller à l'école. Donc tu veux qu'elle serve Allah? Tu veux qu'elle serve ton Dieu, c'est ça? Voilà. Qui es-tu? C'est son papa. Dis-moi, tu veux qu'elle serve qui? Hein? Tu veux qu'elle serve qui? Parle au nom de Jésus. Tu veux qu'elle serve Allah, c'est ça? Comme ça, tu auras la primeur de détruire sa vie, de garder ses étoiles et ses dons. C'est pas pour ça que tu as demandé qu'elle vienne en Mauritanie. C'est ça, non? Vous voulez ses grâces parce que tu as vu qu'elle avait beaucoup de grâces. Son papa était mauritanien, mais les Mauritaniens qui sont chrétiens. Son papa était mauritanien, mais il y a des enfants de Dieu qui vivent en Mauritanie, qui sont chrétiens. Elle ne peut pas servir Jésus. La République, la Mauritanie est une république islamique, mais il y a des enfants de Dieu dans ce pays-là. On était au Maroc, on a vu que parmi les Marocains, il y avait des chrétiens là-dedans. Et il y en a plusieurs qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. D'accord. Ok, tu es son père? Je sais pas. Pardon? Tu sais pas. Chaque être humain a un nom, et chaque démon a un nom, et chaque esprit humain a un nom, a une feuille de route bien prescrite par Lucifer lui-même, ou par le maître qu'il sert.
là, on lui a donné, son père lui a donné le nom de sa soeur, de sa grand-mère qui est descendante de Mohamed. Elle s'appelle comment? Ah, celle qui est là. Tu as la grand-mère Anne. Tu as la maman du papa de Anne, c'est ça? Tu es qui? Pas le nom de Jésus. Tu es qui exactement? Moi, j'ai pas le temps. J'ai plusieurs rendez-vous. Fais-moi gagner en temps. Tu es qui exactement? Mm-hmm. Oui, mais c'est de ça qu'on parlait là. Maintenant, c'est. Elle porte le nom de la maman du prophète Mahomet. Elle s'appelle comment? Elle s'appelait comment? Mais quoi? Minitou. 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 Oh. Je t'ai dit que le nom Anne. C'est pour ça que le Seigneur m'a demandé de changer son nom en Anne. Ok, on va pas se fatiguer. Maman, j'ai un petit mouchoir ici. Fatigué pour rien, quoi. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le nom Aminitou est brisé, est rompu, est annulé, est révoqué dans la vie de Anne au nom de Jésus. Je proclame sur la vie de Anne qu'elle ne s'appelle plus Aminitou. Maintenant, nous la baptisons du nom de Anne. Anne. Nous la baptisons du nom de Anne. Reçois les vertus de Anne. Reçois la vie de prière de Anne. Reçois les qualités de Anne. Reçois le zèle de Anne. Reçois la force de Anne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disparaît, qu'on ne te voit plus jamais dans sa vie. N'importe quoi. N'importe le nom de la maman de... Du prophète. Du prophète. Sont descendants du prophète. De Mahomet. Voilà. Donc, le nom de la maman, c'est ce qu'on lui a donné. C'est pour ça, quand Madé s'appelait Aminitou, là, je lui donne encore. Il nous donne le nom d'un démon. Aminitou. Animatou, dans leur tout, c'est Minetou. Minetou. Dans le français, c'est Aminatou. Il y avait des gars qui chantaient ça, non? Aminatou. Plusieurs fois, c'est une cigarette. Qui travaille. Jolie Amina. Jolie Amina. Amina, Amina. Et puis il y avait aussi, à l'époque, dans les années 90, qui chantait aussi. Amina, tout, et un truc comme ça. C'est bien là, ils font les trucs là, c'est pas en vain. Ils savent à qui s'adresse. Et c'est ça, ils ont du succès, tout ça. Les gens pensent que non, c'est leur copine, c'est Thierry qui les a marqués. Comme l'autre là, Cheb Khaled. Moi, c'est en Tunisie, je l'ai connu. Cheb Khaled, il chante. Aïcha. Aïcha. Voilà, Aïcha, voilà. La déesse qui. Voilà, et son son a eu du succès à un niveau que jusqu'aujourd'hui là, il n'y a personne qui peut l'égaler. Hein. Mais le monde aime ce qu'il y a de lui. Voilà. Elle est comme tout à l'heure. Ouais, il y a encore un démon qui est là. Toi, tu es qui, toi? Ça, c'est un programme qu'on n'avait pas prévu. Hein. On a au moins 1, 2, 3. On a au moins 4 rendez-vous à Abidjan. En tout cas, c'est dans la volonté de Dieu. On va achever ça. Et oui. Puis, au Seigneur de lui accorder son esprit saint. Oui, toi tu es qui dans la vie de Anne? Toi tu es qui? Tu es qui toi? Hé! Hey! Qui es-tu, esprit méchant? D'où est-ce que tu viens? Comment tu as eu accès à la vie de Anne? Tiens-toi sur tes pieds au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds au nom de Jésus. On n'est pas à la plage ici. Oui, tu es qui exactement dans la vie de Anne? Et vite, vite. Non, pas le petit saut, il faut mettre ça là. C'est long ça. Ah, merci. Non, qu'est-ce que ça? Il n'y a pas senti de la santé sincère. Vas-y. Oui, tu es qui dans la vie de Anne, toi? Par le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tu es qui dans la vie d'Anne? Tu es qui dans la vie d'Anne? Tu es son père? Tu me réponds par oui ou par non? Qui es-tu? Tu es son père? Non, d'accord. Alors tu es qui? Tu es l'un des membres de sa famille? Oui ou non? Tu sais pas. Toi, tu es un démon, tu sais pas à qui tu appartiens. Ok, d'accord. Ok, tu viens d'où? Il y a plusieurs mondes. Tu viens de quel monde? Tu filmes. Bien. Tu viens de quel monde? Par le nom de Jésus. Tu viens de quel monde? Par le nom de Jésus, tu viens de quel monde? Tu viens de quel monde? De la mer? Des océans? Du désert? Thierry. De sa famille paternelle? De sa famille maternelle? Chiffre du Saint-Esprit. Chiffre du Saint-Esprit. Chiffre du Saint-Esprit. Tu viens de la Mecque. Et tu es qui toi?
Il vient de la mer. Il y a une dame qui voulait te voir. D'accord, ok. Comme on travaille, ils demande de patienter. Tu viens de la mer. Et tu es qui à la mec? D'accord, maintenant toi tu es qui? Maintenant toi tu es qui? Toi qui viens du monde de la Mecque, tu es qui? Donne ton nom au nom de Jésus. Je maudis ta base. Je maudis tes champs. Je maudis tes entrepôts. Je maudis tes entreprises. Je maudis ta famille. Je maudis tes femmes. Je maudis tes œuvres. Je brise ta puissance. Je brise ta résistance. Je brise tes forces. Je maudis ta base. Je maudis ta base. J'ordonne au nom de Jésus que les malédictions qui sont dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance, s'attachent à toi. Que toutes les maladies qui sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament s'attachent à toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Que la main des pauvres s'abatte contre tes enfants. Que la main des pauvres s'abatte contre tes enfants. Que la main des pauvres t'assaillisse. Tu rends tout ce que tu as volé à Anne. Tu lui rends tous ses biens. Tu lui rends tous ses biens. Nom de Jésus. Tu lui rends tous ses dons. Tu lui rends tous ses dons. Nom de Jésus. Je maudis ta base. Je brise ta résistance. Je renverse tes autels. Je brise tes caméras. Je brise tes écouteurs. Je brise tes antennes, tes satellites. Je détruis tous tes moyens de communication contre la vie d'Anne. Je détruis tout ton système de manipulation, de contrôle et d'influence néfaste. Nom de Jésus. Tu es qui dans la vie d'Anne? Que la peste s'attache à toi. Nom de Jésus. Que la dépression s'attache à toi. Nom de Jésus. Que une folie meurtrière s'attache à toi. Nom de Jésus. Tu te mets à te dévorer toi-même. Tu te mets à te dévorer toi-même. Par le nom de Jésus, tu es qui exactement dans la vie d'Anne? Tu as dit que tu viens de la Mecque. Tu es qui? Tu es qui exactement? Tu as 3 secondes pour me donner ton identité. 1, 2, 3, qui es-tu? Feu. Le feu depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Quel est ton rôle à la mec qui dit tu es esprit méchant? Tu me sois le feu. Nom de Jésus. J'ai dit tu es qui? Pas le nom de Jésus, c'est pas à toi de décréter qui elle peut servir, qui elle ne peut pas servir. Je déclare au nom de Jésus que le décret que vous avez pris dans le monde astral qui dit qu'elle devait mourir musulmane et qu'elle ne pourrait jamais servir Jésus. Je détruis ce décret là au nom de Jésus. Je détruis ce décret au nom de Jésus. Je brise ce décret au nom de Jésus. Je romps cette clause au nom de Jésus. J'annule ce contrat viagère au nom de Jésus. Je proclame qu'il est de nul et sans ses faits. Et sur la base des Aïe 7:7, je dis ceci. Non, cela n'aura pas lieu. Oh, cela n'aura pas d'effet dans la vie d'Anne. Et je prends un nouveau décret dans lequel il est marqué. Cancer l'éternel. Mets ton doigt sur son cordon médical. Nous prophétisons sur la base de son cordon médical, ce point d'accès. Nous prophétisons sur ce cordon médical. Qu'Anne, la vie de Anne est dédiée à Jésus. Elle sert le Seigneur Jésus. Par le sang de Jésus, je crie sur ce bout de papier, sur ce parchemin, qu'elle est servante de Jésus. C'est une gagneuse d'âme. Elle évangélise dans les rues, dans les feux tricolores. Elle va dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Elle se marie. Elle fait la fierté de Jésus. Oui, le Seigneur Jésus-Christ ici-bas peut compter sur elle. C'est une femme digne. C'est une femme distinguée. Ce mari est fier d'elle. Elle fait des enfants. Elle les éduque conformément à la sainte doctrine. Oui. Elle est zélée pour l'œuvre de Jésus. Sa vie est dédiée à Jésus. Son âme est dédiée à Jésus. Son corps est dédié à Jésus. Nous convertissons toutes les malédictions que nous avons en bénédiction. C'est une femme de grâce. C'est une femme de prière. Une intercesseuse qui se lève la nuit, qui se lève à l'aube et qui prie.
qui intercède pour l'église de Jésus. Elle est remplie de grâce. C'est une femme douce, soumise à son mari. Au nom de Jésus. Et nous scellons toutes ses prophéties dans le sang de Jésus. Et sur la base de Daniel 2, verset 21 à 23, où il est dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je proclame que maintenant, sang de Jésus, la prophétie, toutes ces prophéties s'accomplissent dans sa vie, minute après minute, seconde après seconde, sieste de seconde après seconde, temps après temps, mois après mois, jour après jour, année après année, et cela est irréversible, et nous le scellons dans le sang de Jésus. Je le scelle! Sonnel! Ton règne est terminé. Tu as échoué. Que la gloire de l'Éternel t'écrase. Le sang de Jésus. Nous répandons le sang de Jésus. Reçois le sang de Jésus. Pendant que nous aspergeons le sang sur elle, nous déclarons que toutes tes malédictions qui sont sur elle, de façon corporelle, de façon spirituelle et même sur son âme, sont brisées. Le sang de la restauration. Le sang de Jésus. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Le sang de Jésus. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit dans ton corps. Sur toi, sur tes autels. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit sur tes idoles. Le feu du Saint-Esprit sur tes puissances, sur ta puissance, sur tes pouvoirs. Le sang de Jésus ravage ton corps. Ravage tes champs. Le feu du Saint-Esprit détruit tout sur son passage. Tout ce qui t'appartenait soudainement prend feu. Tous tes biens soudainement prend feu. Que le feu que ne peut allumer la main des hommes, que le feu qui est la couleur de Dieu, s'abat contre toi et détruit tout sur son passage. Au nom de Jésus. Reçois le feu, reçois le feu. Maintenant tu disparais. Allez, va-t'en. Dis-lui à Dieu et va-t'en. Donne-moi le sang. Dans le nom de Jésus. Que la colère du lion de la tribu de Judas s'abatte contre toi. Que la colère du lion de Judas s'abatte contre toi. Il arrive avec une grande colère. Fuis devant sa présence. Maintenant, quand tu as encore le temps, fuis devant sa présence. Il arrive à grands pas. Il arrive contre toi pour te déchiqueter, pour te déchirer. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour la libération de ta servante. Saint-Esprit de Dieu, je veux te dire merci pour sa délivrance. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour ce que tu permets dans la vie de ta servante, pour son affranchissement. Merci parce que tu es allé là-bas à Médine, à la Mecque. Oui, là-bas, dans les prisons de la Kaaba, pour faire sortir son âme de l'emprisonnement de Allah. Je te dis merci parce que tu l'as libéré de 4 ou de 5 esprits. Seigneur, je bénis ton nom parce que nous savons que maintenant, tu pourras lui donner ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pas facile, hein? C'est comme ça que les enfants de Dieu sont enchaînés. Ils sont en souffrance. C'est penché, ma fille. C'est penché. Ils sont en souffrance. Ils sont dans les églises. On leur parle de mariage, de bonheur, de travail, de voyage, d'évolution, d'élévation, de promotion. Pendant ce temps, ils poient sous des millions de démons. Comment on va parler de bonheur à quelqu'un qui est sous la malédiction? Si ces malédictions ne sont pas brisées, cette personne à qui on parle de mariage, de travail, de quoi même, de promotion, de voyage, qui a des démons dans sa vie, si elle meurt, même si elle est en emploi,
Si elle meurt, même si elle a quoi même, elle a tout le bonheur du monde. Mais si elle meurt, qu'elle a des démons dans sa vie, la personne ne pourra jamais le ciel. Allez, sois fortifié. Bien. On est là. Merci, je vais vous mettre à sa place. Merci Jésus. Ça, c'est un témoignage. Hein. Tu es venu saluer les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Et le Seigneur, par sa grâce, a commencé à te visiter. Amen. Jésus t'aime, tu sais ça. C'est que le Seigneur Jésus t'aime. Amen. Elle nous a dit, Susan Nat, avant Mauritanie, puisqu'elle était musulmane, Susan Nat, c'est Jésus qu'elle priait. Parce que le Seigneur s'est révélé à elle. Elle a demandé au Seigneur, si réellement tu es Dieu, moi, je veux que tu te révèles à moi. Et le Seigneur s'est révélé à elle. Alléluia. Non, j'ai fait la même expérience. J'ai étudié le Coran, j'ai rien vu dans le Coran. J'ai prié Allah, j'ai demandé à Allah si réellement tu es Dieu, moi je veux te rencontrer. Allah, moi je ne suis pas le genre de personne qui suit la masse ou non. Non, je fais une expérience avec toi. Jamais Allah ne s'est manifesté. Mais quand j'ai manqué le nom du Seigneur, je suis en une lapse de temps. Ma part. Amen. C'est ça la différence. Dieu, il est vivant. Jésus, le Jésus que nous prions, il est vivant. C'est pas. Tu vas demander musulman, est-ce que Allah s'est déjà révélé à toi pendant 40 ans que tu pries? Allah, tu dis jamais. Tu vas demander à un musulman, est-ce que c'est un mensonge même? Il t'a déjà parlé, il t'a donné des signes, il t'a confirmé qu'il a les gages de ton salut. Non. C'est un Dieu qui est muet, qui est sourd, qui est muet, qui ne voit pas, qui est frappé d'infirmité. Viens, ma fille. Amen. Jeune musulman, le Seigneur Jésus t'aime. Je t'appelle à la repentance. Comme Anne, toi aussi, viens nous rencontrer. Toi qui es fatigué de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un croissant lunaire et une étoile maçonnique sur ta mosquée. Toi qui es fatigué qu'on te dise à chaque fois que tu rentres à la mosquée, voilà, croisez vos orteils. Toi qui ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on vous demande toujours de fixer, de chercher le nord ou bien le soleil avant de prier. Viens, le Seigneur va te donner une réponse, il va te libérer. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Ce n'est pas ça Dieu. Amen. Un Dieu qui est limité par la barrière de la langue, qui est adoré seulement qu'en arabe. On ne peut pas le prier en français, en anglais, en chinois, en swahili, en lingala, en ani, en bamileke ou en malinke. Ce n'est pas Dieu. Dieu est le concepteur de toutes les langues à la tour de Babel. Dieu a créé, a inspiré toutes les langues à toutes les races du monde entier. Amen. Dieu, ce n'est pas le Dieu des musulmans. Dieu, ce n'est pas le Dieu arabe. Amen. Si moi, mon Dieu, je ne suis tenu que de l'adorer dans une seule langue, ça veut dire que ce Dieu que j'adore n'est pas Jésus, n'est pas le véritable Dieu, n'est pas le chemin de la vie éternelle. Non, pas du tout. C'est un fou Dieu. C'est un usurpateur. Amen. C'est comme s'il y avait le Dieu des Swahili. Donc, on l'adore qu'on soit au lit. Donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas Swahili ne peuvent pas adorer Dieu. Donc, ça veut dire que si on n'est pas arabe, on ne peut pas adorer Allah. Mais ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Je répète après moi, Seigneur Jésus, si je suis digne d'être marqué de ton sceau, si je suis digne d'être appelé enfant de Dieu, si je suis digne d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie, je te prie maintenant, accorde-moi la plus belle des choses que tu nous as données ici, ton Esprit Saint et ton baptême de feu. Maintenant, me voilà, accorde-le-moi. Remplis-moi de ta présence. Oh, je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux avoir une intimité avec toi. Une merveilleuse relation avec toi. Je veux passer mon quotidien avec toi. Je veux que tu sois mon directeur, mon conseiller, mon avocat, mon défenseur, mon pourvoyeur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, accorde-moi ton Esprit Saint. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Embrase-moi par ton feu. Embrase-moi par ton feu. Embrase-moi par ton feu. Embrase-moi par ton feu. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Seigneur Jésus, je veux recevoir de toi ton Esprit Saint et ton baptême de feu, afin de pouvoir faire ta volonté. Seigneur Jésus, tu sais que sans ton Esprit Saint, on ne peut faire ta volonté. On ne peut être réellement soumis à toi. Car les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Moi, je veux marcher selon les désirs de l'Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, sur la base de Actes 2, verset 1 à 17, je veux vivre la Pentecôte moi aussi. Remplis-moi. Je te tiens maintenant. Seigneur Jésus, je te prie de remplir ta servante de ton Esprit Saint du baptême de feu. Seigneur, remplis-la de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, si tu la juges digne de recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, si elle aussi son nom est inscrit dans le livre de vie,
Si elle aussi, elle est appelée à s'asseoir à la table des noces et de célébrer les festins de noces avec toi. Si elle aussi fait partie des cinq vierges sages. Si elle aussi, Seigneur, tu l'as appelée à être enfant de Dieu. Non pas de la chair, non pas du sang, mais de ta volonté. Seigneur Jésus, je prie maintenant que tu l'accordes le plus beau des dons. Oh, le plus beau des cadeaux. Le plus beau, la plus belle des choses que tu nous as promis. Le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, reçois-le. Reçois le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Je le déclare, reçois le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Oui, que son feu t'embrase et que rien ne vienne faire maintenant obstacle à ce merveilleux cadeau. Reçois le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Tu le reçois, 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 tu le reçois. Le Seigneur te remplit de son Esprit Saint. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Il vient habiter en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Il délie ta langue. Oui, il délie ta langue. Il te donne le merveilleux don du parler des langues et de leur interprétation. Il te remplit de sa présence. Il te révèle de sa présence. Il vient habiter corporellement en toi. Car c'est en toi qu'il voulait habiter depuis longtemps. Reçois le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Reçois le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Il embrasse ton âme de sa présence. Il embrasse ton corps de sa présence. Il embrasse ton Esprit Saint de sa présence. Il te remplit. 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 Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il te remplit de sa présence. Tu reçois, Seigneur. Tu reçois. Seigneur, tu la reçois. Tu lui accordes le don du parler des langues et le don d'interprétation des langues. Maintenant, Seigneur, tu délies sa langue. Oh Seigneur, selon la dispensation de sa grâce, de ta grâce. Tu délies sa langue, tu délies sa langue, tu délies sa langue, tu délies sa langue. Tu lui accordes le don du parler des langues et leur interprétation. Elohim, tu lui accordes le don du parler des langues et leur interprétation. Oui, elle était musulmane, mais maintenant elle est à toi. Maintenant elle est chrétienne. Et nous savons que tout enfant de Dieu peut recevoir de ta grâce la dispensation du parler des langues et leur interprétation. Reçois, 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 reçois le don du parler des langues et leur interprétation. Reçois le don du parler des langues et leur interprétation. Tu le reçois, 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 tu le reçois. Reçois le don du parler des langues et leur interprétation. Maintenant. Seigneur, tu l'embrasses de ta présence. Tu l'embrasses de ta présence. Elle est enflammée par ta présence. Elle est remplie de feu. Oui, ta servante est remplie de feu. 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 Toi, le dispensateur de toute grâce. Je prie éternel, mon Dieu, mon roi, que tu lui accordes la grâce du parler des langues et de leur interprétation. Reçois-les, 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 reçois-les. Seigneur, que son don soit on ne peut plus clair. Reçois le don du parler des langues. Une colonne de feu, semblable à une goutte d'eau, descend sur ta langue. Et du coup, tu reçois le don du parler des langues et de leur interprétation. Oui, Seigneur, tu lui accordes ce don-là. Cet esprit de Dieu délie sa langue. Sanctifie sa bouche et sa langue. Délie-la, 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 délie-la. Et qu'elle reçoive de ta part le don du parler des langues et leur interprétation. Tu reçois le don du parler des langues et leur interprétation. Reçois-les. 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 Reçois le don du parler des langues et leur interprétation. Non! Reçois ce merveilleux don. Reçois ce merveilleux don qui te met en connexion directe avec le Saint-Esprit. Reçois ce don. 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 Reçois le don du parler des langues et leur interprétation. Comme tu es prophétesse de l'Éternel. Reçois le don de songe et de vision. Reçois le don de songe et de vision. Reçois le don de songe et de vision. Quand je touche ses yeux. Comme Barabbas pouvait toucher les yeux de Paul et les écailles de ses yeux sont tombées. Maintenant je déclare que les écailles de tes yeux tombent. Les écailles de tes oreilles tombent, les bouchons qui sont dans tes oreilles tombent. Et maintenant le Seigneur t'accorde le don de son, de vision. Et tu entends l'Éternel audiblement te parler. Reçois ces trois dons. Reçois ces trois dons. Reçois ces trois dons. Reçois un puissant dans les songes. Reçois un puissant dans les visions. Et reçois le don d'audition. Tu les reçois. 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 Reçois-les. Seigneur, qu'est-ce que tu mets dans ma main gauche? Le Seigneur veut bénir ta main. Le Seigneur bénit ta main. Il t'accorde le don de la libéralité. Tu reçois de sa part le don de la prospérité.
et le don de la libéralité. Elle est remplie de feu même. Tu reçois le don de prospérité et le don de la libéralité. Le Seigneur m'a dit, il t'a appelé à être son intercesseur, sa prophétesse, sa sentinelle. Aussi, il va bénir tes mains de plus de sortes de bénédictions. Le Seigneur t'enrichit afin que tu sois une source de bénédiction pour son église, pour son œuvre. Afin que tu sois une source de bénédiction pour ses serviteurs, pour ses servantes. Il m'a dit que tu sois une source de bénédiction pour la veuve, pour l'orphelin et pour l'étranger. Il t'accorde le don de prospérité. Il t'accorde le don de prospérité, le don de la libéralité. Tu les reçois. Regarde, c'est un puissant don. C'est deux puissants dons. C'est deux puissants dons. Le don de la prospérité et le don de la libéralité. Le Seigneur donne à qui il veut, comme il veut. Il t'a choisi afin que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs, aussi pour ta famille, ceux-là même qui vont te persécuter. Quand le moment sera venu par toi, ta famille va sortir des ténèbres, sortir de l'islam et venir à la lumière, l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus. Reçois le don de prospérité et le don de la libéralité. Reçois-les! 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 Nom de Jésus! Seigneur, tu lui accordes aussi le don du discernement. Je déclare maintenant que le Seigneur te donne le don du discernement des esprits. Tu es sur une terre islamique, a dit Allah lui-même. Mais là-bas, parmi les musulmans, il y a des milliers, voire des millions d'enfants de Dieu. Le Seigneur te donne le don du discernement. Le don du discernement des esprits, afin que lorsque tu vas regarder quelqu'un, que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels et que tu comprennes les affections, le mal, la maladie, les esprits qui rongent ces personnes-là. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de prophétie aussi. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de prophétie. Reçois-le. Et selon la dispensation de la grâce de notre Seigneur Jésus, prophétise. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de prophétie. Toi aussi qui me suis, je déclare au nom de Jésus. Tu reçois le don de prophétie. Toi qui es prophète ou prophétesse de l'Éternel. Là où tu es saisi par le don de prophétie, me dit l'Éternel. Et là, ce doigt-là te localise. Et tu te mets à prophétiser. Reçois le don de prophétie. Reçois le âne. Et maintenant, selon la dispensation de la grâce de notre Seigneur Jésus, prophétise, prophétise. Seigneur, saisis sa langue et mets les mystères dans sa bouche. Prophétise, 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 prophétise. Que le ainsi dit l'Éternel saisisse ta langue. Que le ainsi dit l'Éternel saisisse ta bouche. Prophétesse de l'Éternel, reçois le don de prophétie. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de prophétesse. Reçois le don de prophétie. Now, in the name of Jesus, prophétise. Je t'ai choisi. Alléluia. Je t'ai choisi. Alléluia. Je t'ai choisi pour faire mon œuvre. Amen. Je t'ai choisi. Je lui donne sa feuille de route, papa. Il a choisi pour faire oui, son œuvre. Gardez la gloire. Au nom de Jésus. Ma vie, je confiance en toi. Amen. Je sais que tu es né dans une famille musulmane. Alléluia. On entend. Ce n'est pas facile. Regarde mon parcours sur terre. Alléluia. Même les pharisiens m'ont traité de paisible. C'est moi qui suis le Dieu vivant. Alléluia. Ils m'ont traité de paisible. À plus forte raison, toi, ma prophétesse, ma fille. Je t'ai choisi. Courage. Je suis là. Alléluia. Je suis avec toi. Alléluia. La salle est électrique. Et n'oublie pas que je reviens bientôt. Amen. Je t'ai choisi. Alléluia. Pour gagner des armes. Amen. Pour rédiger des âmes de l'islam. Comme je t'ai rédigé de l'islam. Alléluia. Oh, j'ai la chair de poule. Et des larmes aux yeux. Je t'ai choisi. Alléluia. Regarde ton papa. Il a combien d'enfants? Vous êtes neuf. Mais c'est toi que j'ai choisi. Oh Jésus, je n'ai pas possible.
que j'ai choisi ma vie. Je connais ton courage. Je connais ton courage. Tu es une fille courageuse. Tu es une fille courageuse. Tiens bon, parce que je sais que tes ennemis vont se lever contre toi. Mais je suis là, ne crains pas. Oui. Je suis là. Je suis l'Éternel. Le Dieu vivant. Jésus de Nazareth. C'est moi qui suis Dieu. Je suis Dieu. Alléluia. Jésus de Nazareth. L'étoile brillante du matin. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Yahweh Nissi. Amen. Yahweh Rapha. Alléluia. Elle est saisie. Je suis. La caméraman est saisie. Attention. La caméraman était saisie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus pour la vie de ta sainte. Alléluia. Le Seigneur confirme sa parole. Puisque nous savons qu'il est le Dieu de l'attestation, de l'infirmation, de la confirmation. Il est le Dieu de la corroboration. Pendant que le Seigneur Jésus a saisi cette ex-musulmane, notre fille Grâce qui tenait la caméra a été elle aussi saisie par la puissance de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur passe par elle pour confirmer sa feuille de route. L'Esprit est soumis au prophète. Tu es ma servante. L'Esprit est soumis au prophète. L'Esprit est soumis au prophète. Alléluia. Bien-aimés, quand vous voyez la manifestation surpuissante, comprenez que c'est à cause de la grande force, de la grande puissance que le Seigneur fait descendre dans la vie de ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. La présence de Dieu est tellement forte que souvent, les personnes convulsent. Amen. Mais quand vous appliquez simplement ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, que l'Esprit est soumis aux prophètes, l'Esprit commence par s'adoucir dans la vie de ses prophètes et de ses prophétesses. Amen. Et le Seigneur confirme ici sa parole au travers de la bouche de la caméraman Grâce. Alléluia. Pendant qu'elle était en train de filmer, elle était saisie puissamment par l'esprit de la prophétie qui était dans la vie de Anne, afin de confirmer que c'est lui qui parle. Amen. Alléluia. Nous savons que Dieu parle deux ou trois fois. Amen. Afin de rassurer ses enfants que c'est bel et bien lui qui parle. Amen. Jésus est le Dieu. Sois fortifié, ma fille. Très haut. Tout à l'heure, on va faire le revêtement. Jésus est le Dieu. Donnez-lui un peu de cligné, ça va se nettoyer le visage. Très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus. Bien-aimé, vous ne sentez pas. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez sentir l'électricité, la force, la puissance qui est présentement dans mon bureau. Cette présence du Saint-Esprit est tellement forte que ça nous donne même la chair de poule ou des frissons. Alléluia. Toi qui es baptisé du Saint-Esprit, toi qui es conduit par le Saint-Esprit, pendant ce merveilleux moment, tu peux sentir la forte présence, oui, la forte présence d'Elohim dans ce bureau. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu.
Jésus est le Dieu très haut. Gloire à Jésus. Maintenant que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur me demande de te dire, que vas-tu faire avec son Esprit Saint? Anne, prophétesse Anne, le Seigneur me demande de te dire, de te demander, que vas-tu faire avec son Esprit Saint? Voici la question que le Seigneur Jésus me charge de te poser. Que vas-tu faire avec mon Esprit Saint, ma fille? Vas-tu travailler pour moi? Ou vas-tu continuer la vie que tu menais dans le passé? Tu vas te consacrer à lui. Tu vas prendre un moment de 21 jours dans le jeu de la prière. Il va se révéler puissamment à toi. Il va te révéler encore des choses incroyables. Prépare-toi. Tu vas prendre 21 jours de jeûne. La première semaine, tu la feras fruit. Alléluia. La seconde semaine, tu vas manger normalement tous les soirs. La troisième semaine, tu la feras aussi à fruit. Le Seigneur va venir te visiter. Il va te révéler beaucoup de choses, t'enseigner beaucoup de choses, te montrer beaucoup de choses. Prépare-toi. Alléluia. Le samedi, on va te baptiser. Amen. Alléluia. Et tu vas commencer à servir pendant ton séjour ici. Tu viendras ici à chaque fois pour servir l'Éternel auprès de nous. Et quand tu vas partir, il va te mettre en contact avec ses enfants. Il y a plus que les enfants de Dieu qui sont mortels, qui sont des musulmans, qui sont des païens, qui sont des athées, qui ne connaissent pas Dieu. Mais par toi, ils connaîtront l'Éternel. Et à la suite, le Seigneur va susciter des hommes qu'il va susciter pour préparer le feu du réveil. Mais tu seras comme un précurseur là-bas en montagne. Par toi, plusieurs âmes seront gagnées. Seigneur, je vais faire le revêtement. Je la révèle maintenant du vêtement de la fermeté. Seigneur, afin qu'elle ne vacille ni à gauche ni à droite. Seigneur, afin qu'elle n'aille point à tout vent de doctrine, mais qu'elle ait les pieds solidement enfouis dans la saine doctrine. Éternel, mon Dieu, mon roi, puisque nous espérons tous à notre salut, Seigneur, je déclare que je mets à sa tête le casque du salut. Seigneur, quelle est l'assurance de son salut? Saint-Esprit de Dieu, je mets à son tronc la cuirasse de justice. Seigneur, qu'elle soit une femme de justice, d'équité, d'équilibre, de raison, de bienséance, de crainte, d'amour pour toi. Seigneur, je mets à sa hanche la ceinture de la vérité. Et je déclare qu'elle soit éprise de vérité, comme tu t'es toi-même épris de vérité lorsque tu étais ici sur la terre. Éternel, mon Dieu, mon roi, je mets à ses pieds les bottes de l'évangile. Porte-les. Je déclare que deux anges viennent te faire porter les bottes de l'évangile. Tu vas sentir du feu dans tes pieds, n'aie pas peur. C'est certainement mal. À partir de ce instant, tu auras une forte envie d'annoncer Jésus. À partir de ce instant, tu auras une forte envie de crier partout. Répentez-vous, les temps sont finis. Donnez votre vie à Jésus. Fiez le péché, mettez de l'ordre dans vos vies et marchez dans les anciens sentiers. Seigneur, je mets dans sa main gauche le bouclier de la foi. Saisis-le. Je mets dans sa main gauche le bouclier de la foi. Saisis le bouclier de la foi. Saisis-le avec autorité. Que ses mains saisissent le bouclier de la foi. Seigneur, que sa main gauche saisisse le bouclier de la foi. Saisis-le. Saisis-le. Quelqu'un se met derrière. La fille, je sais que tu es sous l'onction, mais tu vas derrière. Seigneur, je mets dans sa main droite l'épée qui est la parole de Dieu. L'épée qui est l'autorité. L'épée qui est la force. L'épée qui est la puissance. L'épée qui est le verbe. L'épée qui est la science. L'épée qui est la connaissance cachée. L'épée qui sont les mystères cachés dans la parole de Dieu. Saisis l'épée. Saisis-la. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ta servante Anne. Je bénis ton nom pour son revêtement spirituel. Seigneur, maintenant, on peut faire d'elle une disciple. Maintenant, on peut la rouler dans ton armée. Maintenant, nous pouvons la préparer afin qu'elle maîtrise les arts, l'art de la vie de la saine doctrine, afin qu'elle en fasse un mode de vie, afin qu'elle en fasse un art de vivre. Car tous ceux qui sont appelés disciples doivent se préparer à vivre, non plus selon le monde, non plus selon la vue, non plus selon leur propre sens, mais selon tes ordres, selon tes commandements. Maintenant, je déclare que tu l'enrôles dans ton armée. Tu l'enrôles dans ton armée et tu fais d'elle ta disciple. Seigneur, je te dis merci.
pour ce moment de délivrance, de baptême du Saint-Esprit, de restauration, de revêtement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Ne coupez pas, continuez. Asseyez-vous. Tirez le truc ici, mettez deux chaises là. Toi, tu peux t'asseoir. Vas-y, assois-toi à côté, attention. Pendant qu'on prie pour toi, à partir du moment où tu as commencé à te répentir de tes péchés, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, il va mettre ça sur la tête. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant que tu t'es mis en genoux, tu t'es dit de te prosterner pour de vous demander pardon pour tes péchés? Tu as senti comme du feu dans tes pieds. Et quand on est rentré dans le combat spirituel, qu'est-ce que tu as vu, où tu t'es retrouvé, qu'est-ce que tu as entendu et tout ça? Jézabel. Elle était là. Tu t'es tatoué là? Tu voulais te tatouer. Oui, parce que nous savons que le Seigneur a dit dans sa parole, selon le livre de Matthieu 6, il a dit plutôt dans le livre de Matthieu 5, je crois, au verset 28. Voilà, on va partir du verset 28. Le Seigneur nous rappelle quelque chose de fondamental dans la grâce. Il dit, à partir du verset 27, vous avez entendu qu'il était dit que tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi, je vous le déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Alléluia. Et donc, dans la grâce, puisque la grâce, les standards de la grâce sont plus élevés que les standards de la loi. Dans la grâce, le fait de penser fait de toi un pécheur. Et donc, c'est vrai que tu ne t'es pas tatoué le cou. Mais quand tu as eu l'intention de te tatouer le cou, ça est devenu un péché et Jézabel a profité de ça pour te pénétrer, pour te posséder. C'est pourquoi lorsqu'on priait, Jézabel disait, il y a quelque chose là. Et moi je dis à maman qu'il a vérifié. Quand on a vérifié, on a vu qu'il n'y avait pas les tatouages, donc je t'ai supplié. Elle a dit, c'est vrai qu'il n'y a pas les tatouages, mais j'ai ma marque là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos pensées. Je veux profiter aussi pour dire à quelqu'un, lorsque vous sentez que vous avez des pensées impures de toutes sortes de gens, rapidement invoquez le sang de Jésus pour annuler ces pensées impures-là. Alléluia. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre? Ah oui, 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 je crois que c'était la... Dans ta vie, il y avait ta grand-mère. Ta grand-mère, la maman de ton papa ou la tante de ton papa. Voilà, qui a dit. Ils ont dit qu'elle est de la lignée de Mahomet. C'est ta grand-mère, la maman de ton papa. Voilà. Elle s'appelle Aminatou. Elle s'appelle Nemi. Aminatou, c'est ma conseillère, la petite sœur. À ton papa. Et puis, il y avait ta grand-mère. Elle s'appelle Aïcha. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit. Aïcha. Il a même parlé de. Cher Khaled, il avait chanté Aïcha, je ne sais pas quoi, bref. Voilà. Et donc, il y avait aussi l'esprit d'Allah. Le premier esprit qui s'est manifesté, c'est l'esprit d'Allah. Alléluia. Amen. Il allait te chercher, tu sais où? À Médine. Dans le fin fond de la Kaaba. C'est là-bas qu'il allait te chercher. On la reçoit tout à l'heure, quelle patiente. Alléluia. Ton âme était dans le feu. Mais tous les musulmans, leur âme, sont sous la Kaaba. Dans les prisons. Des géants comme ça, où il y a plus d'un milliard d'individus, d'un milliard de musulmans qui sont tous là-bas. Il y a des décrets de mort. Comme ils vont mourir, quand ils vont mourir, dans quelles conditions ils vont mourir. Ils sont tous là-bas. C'est pourquoi beaucoup de musulmans, souvent, ils ont des songes où ils se retrouvent dans les ténèbres, où ils se retrouvent enchaînés et même muselés. Et puis quand ils se réveillent en sursaut, ils se disent, bon, c'est un rêve banal. Non. L'esprit d'Allah est en train de leur dire que vous, voilà la fin de votre vie. Si vous mourrez, vous allez vous retrouver en enfer parce que vous n'avez pas adoré le vrai Dieu. Amen. Évidemment, pendant qu'on priait pour toi, on t'a consacré au Seigneur Jésus. Donc, on a enlevé la plaque 666 qui était sur ton front. On t'a consacré avec de l'onction. Amen. Et Allah n'a pas aimé ça. Alléluia. Moi-même, il prenait ton front pour frapper contre le sol parce qu'il ne voulait pas partir sans t'avoir tué. Et donc, on est obligé de t'attraper la tête. On n'est pas qu'il te frappe le sol. Tu as senti ça? Tu étais violent. Hein? Donner des coups de tête au sol
Vous la voulez, d'accord? Je prends son âme, je vous laisse son cadavre. Maintenant, si vous avez son cadavre, on verra comment vous allez faire pour prier pour qu'elle ressuscite. Amen. Mais le Seigneur était là, il n'a pas permis que tu te fasses du mal. Alléluia. Tu viens de loin. Hein? Tu es là encore pour combien de temps? Ah, tu vas rester définitivement ici. Oh, il y a un projet pour toi, pour la montagne. Hein? Le Seigneur veut te ramener à la montagne. Il y a du travail à faire là-bas. Comment? Vous êtes ici en tremblant. Si tout le monde se concentre en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, comment le réveil aura lieu? Si tout le monde veut venir rester ici à Bassam, bon, c'est vrai que quelque part à Bassam, bon, ça va changer la géographie, la géopolitique de la Côte d'Ivoire, mais le Seigneur ne veut pas que vous restiez ici. D'accord. Ok. Donc on fait, voilà ce que le Seigneur m'a révélé pendant qu'on priait pour toi. Tu vas prendre 21 jours de jeûne. Ce sera 21 jours de brisement. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais encore le petit moi qui est là. Donc tu vas passer par le brisement. C'est pour ça que le Seigneur va te mettre dans les 21 jours. Ce sera aussi 21 jours de formation, de préparation, où le Seigneur va te visiter, il va te parler. Il va t'emmener voir des choses, il va t'enseigner. Et tout ce qu'il va te révéler, tu vas nous les partager. Et maintenant, après les 21 jours, si tu veux repartir, il va te confirmer. S'il veut que tu restes un bon corps, il va te confirmer. Mais l'un ou l'autre, le Seigneur te dira quoi faire après les 21 jours. Alléluia. Que Dieu te bénisse. D'accord? On va te laisser partir. Ah, tu vas à Bobo, non? Bon, tout à l'heure. Est-ce que maman Sarah est revenue? Je l'avais vu dans la voiture. Ah, d'accord, ok. Donc, on va partir ensemble. Comme on va à Abidjan, on va te laisser quelque part et puis tu vas prendre ton taxi pour continuer. Amen. D'ici là, on va recevoir la. On dit, il est tramé, tu veux nous voir. D'accord, donc tu as ton secrétariat. C'est bon?